pas trop ce que ça représente ces trucs là. À dire. Demande. Ah mais il y a encore un truc. Quoi, maîtrise du qui? Par contre les menus je les trouve pas. Les menus je les trouve vraiment pas très simples et surtout tu perds énormément de temps à aller d'un truc à un autre. Ça c'est fort dommage. C'est qu'est-ce que c'est que ça? Boutique. Personnalisé. J'ai testé boutique, j'ai jamais été dans la boutique. Cherche corps à corps, machin, blablabla. Ouais, ok. Ça doit être certainement pour les personnages que t'as. Ah, donc ça sert à ça les pièces qu'on gagne, les Zenith. Son Goku, super ultra instinct. Alors, est-ce que ça, c'est les personnages qu'on doit débloquer du coup? Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Frost, c'est qui ça? Je connais pas. Il y a plein de personnages que je connais pas en vrai. Ok. Ok, bon, au moins je vais savoir que c'est là. Tu peux t'acheter des habits, donc les tenues différentes de chaque personnage. Ça c'est plutôt cool parce qu'il y a vraiment, même rien que pour Sangoku, waouh! Impressionnant. Il y a vraiment énormément de choix. Ok. Pour les voix. Les musiques, alors là je comprends pas trop pourquoi on peut avoir accès à ça. Carte des joueurs, stylé. Ah ouais, ça c'est plus pour tout ce qui est en fait en online du coup. C'est pour tout ce qui est en online, ok. Du coup je vais aller voir pour la personnalisation, voir si comment ça se présente un petit peu la création d'un personnage. Ah, on va voir un petit peu. Ça peut être cool. Ah non, pas du tout. Personnalisation. Bah attends, j'ai pas compris le concept ou c'est comment? En gros, tu choisis un personnage et tu peux lui personnaliser la tenue de base que tu peux avoir dans le menu, quoi. En gros, c'est que ça. Ouais, ouais, ça pue sa mère. Ça, c'est inutile. Autant laisser le choix directement dans les menus, en fait, et pas se prendre la tête, genre, je sais pas. C'est un peu chelou. Ils me disent que j'ai encore un truc, mais écoutez, j'ai rien vu. On a déjà deux boules de cristal qu'on a eu hier pour invoquer Shenron, donc ça c'est cool. Hop. Épisode combat personnalisé, super entraînement, championnat du monde. Je vais faire un petit combat pour m'y refaire parce que hier, bon bah voilà. Hier j'étais pas vraiment en forme pour jouer, mais je voulais tellement le tester que je me suis dit vas-y, on va jouer quand même. J'étais trop pressé de jouer, mais j'étais pas du tout en forme. Je le suis pas spécialement là encore non plus. Ouais, allez, vas-y. Ouais, c'est bon. Par contre, je sais pas si on peut choisir un autre personnage que Vegeta en face parce qu'il commence à me saouler en fait, Vegeta. Des fois, les boutons rester appuyés pour taper, ils déconnent beaucoup, je trouve. Des fois, tu restes appuyé et en fait, ça met même pas le fait que ouais, direct la grosse. Oh, je vais pas l'avoir. Ah si. Par contre, les attaques, c'est incroyable. Limite, j'ai l'impression que c'est trop fluide pour la console. Hein. Vas-y, mon ref, viens.
Moi aussi, t'inquiète, j'arrive là. J'arrive. Je sais pas ce qu'il fait. Il se charge à fond. Pourquoi j'arrive pas à... J'arrive pas à me... Comment ça s'appelle? J'arrive pas à me transformer, c'est trop bizarre. Il vient pas en fait. Ah c'est là, d'accord, faut avoir les deux. Okay. Bon bah mon gars, tu vas pouvoir... Ok, tout ça pour ça, le mec vient pas quoi. C'est quoi, comment ça se fait qu'il vient pas comme ça là? Ah il va se transformer. Ouais vas-y. Transformation c'est vraiment stylé. C'est parti, allez. On bat les couilles. Celle-là, regardez, waouh, elle est incroyable. C'est impressionnant en fait l'attaque. En fait je me dis, en ligne tu te prends une attaque comme ça, mais t'as plus de la moitié de ta vie qui est morte en fait. T'as littéralement plus de la moitié de ta vie qui est morte en une attaque. Et en soi, si le mec il te rush pas, mais tu te fais éteindre. Enfin je l'éteins quoi. Ça je sais pas faire ça. En fait, est-ce que là ça chope? Parce que moi je. J'ai l'impression. Avant on pouvait faire des chopes. En fait c'est compliqué parce que normalement la défense c'est là, c'est bien ce bouton là. Mais en fait des fois ça ne marche complètement pas. Et des fois ça marche quand je ne suis même pas appuyé dessus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à un jeu comme ça. Faut le temps que je me réadapte hein. Allez adieu. Adieu Vegeta. Il y a 4200 déjà là. Là après t'as 21 000, mais c'est incroyable, l'attaque elle est... Waouh! Parce qu'en plus elle est hyper rapide en fait. En plus de ça, elle est hyper hyper rapide la machine. Waouh! Wow. Ouais, l'attaque est vraiment impressionnante par contre celle de Jiren. Moi qui ai pas fini DB super, je suis même pas arrivé au moment où... Où en fait Jiren il arrive. C'est pour ça que... Donc ça apparemment, super entraînement apparemment...
ça servirait vraiment beaucoup à apprendre les techniques et tout ça. Là, je sais pas qui est sur mon stream, mais je sais que dès que j'ai commencé le stream, il y avait quelqu'un, donc je sais que c'est vraiment quelqu'un. Je sais pas si c'est Xav ou si c'est Kekette. En tout cas, voilà. Malheureusement, je peux pas voir. J'ai toujours pas Twitch sur mon téléphone. J'ai pas de place. Faudrait que je vois pour acheter. Bah non, je peux même pas en fait. J'allais dire acheter une nouvelle carte SD pour des gigas, mais non, je peux même pas. Donc, pourquoi ça me fait ça, la boutique personnalisation? Mais c'est dans lequel que je dois trouver des trucs en fait, parce que ils sont bien gentils, mais les chargements qui durent 50 ans pour de la merde. Ah, c'est juste parce que j'ai pas regardé les trucs, tous les trucs. Oh, ça c'est le pire bail. Je déteste avoir des notifications pas lues. Okay. Bah écoute, nique ta mère, c'est bon. Allez, c'est reparti. Donc hier j'ai quitté j'ai rage quitté la partie sur le combat de Goku contre Ozalu Vegeta. Et comment vous dire que l'IA alors moi je m'étais vraiment pas spoilé, même sur les critiques ou quoi. L'IA, comment vous dire que c'est une purge intergalactique. Donc là, voilà, on repasse le truc. Voilà, ça je vous l'avais fait hier. Je peux pas passer directement. Ok, vas-y, on passe. Et normalement, là, on va arriver directement avec Ozalu Vegeta, qui va nous mettre une attaque directe. En fait, ça déjà, de base. Ça déjà de base c'est waouh. Ok, là pour le moment ça se passe bien. Je l'ai avant lui, hein, largement. Boum. Je vous avoue que là, je vais pas faire gaffe ou quoi. Je vais directement aller normalement je la prends pas. Oh putain. Oh ça va, je l'ai pas pris entièrement. Ça va être dur. J'ai réussi à m'extirper, mais ok, là je suis mort. Et ça va. Et let's go, let's go. Alors, tu vas faire quoi là? Let's go ça les gars. Allez, le combat contre Ozalu, la première fois a été la bonne. Pour aujourd'hui, ça c'est vraiment cool.
Ça c'est vraiment cool. Et au final, en fait, les pièces que nous gagnons, ça se gagne tellement facilement que, enfin, les personnages en vrai, enfin, tu peux limite tout avoir en une journée, je pense, hein. Ouais, parce que moi, je vois les attaques, le Genki Dama de Goku là, avant de faire le mode campagne, c'est pas le Genki Dama que moi j'ai connu dans l'anime, hein. Voilà, ça c'est le vrai Genki Dama. Allez, vas-y, vas-y mon Goku. Et d'ailleurs, Marine, elle m'a fait penser à un truc hier. C'est vrai qu'on a l'impression que les personnages sont rajoutés vraiment sur le décor. En fait, ce qui est con, c'est que les graphismes du décor ont rien à voir avec le graphisme donné sur les personnages. Bah, même là, on le voit. Et c'est un petit peu dommage. Parce que quitte à faire le décor plus réaliste que l'animé, autant aller jusqu'au bout. Alors, je dirais pas de faire des personnages réalistes, mais ils auraient pu lisser un peu plus la chose. Parce que là, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Voilà, là, j'ai changé la vision. C'est incroyable, ça, en vrai. Ça doit faire mal. Bah oui. Gohan, il y a Kukulin qui va arriver. Ah non, c'est pas Kukulin. Bon, ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage aussi qui résume les passages avec des photos, des images. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Autant des trucs comme ça aurait pu être beaucoup plus stylé que de faire des images simples. Parce que bon, pour le coup, ça montre bien qu'ils ont, voilà, ils ont fait un jeu, ils ont voulu redonner un peu le vrai côté du DBZ. Tu vois, ils auraient pu juste faire des trucs comme ça aurait largement suffi. Mais non, ils ont décidé aussi de mettre pas mal de photos, ce qui est bien dommage. Ok. Et d'ailleurs, même si ça suffit, je vois pas la complexité pour faire, voilà, des cinématiques pour faire l'histoire, en fait. Genre, ça, je comprends pas pourquoi. Parce que là, regardez, c'est, enfin, j'ai envie de vous dire, je regarde des photos, quoi, et je lis une histoire. Ok, mais c'est, du coup, ça retire tout le dynamisme, en fait. C'est vraiment, c'est contradictoire avec la fluidité des combats. C'est hyper dommage. Allez, nous passons dans l'arc Namek, du coup. Et ça, c'est pour mon plus grand plaisir, les gars. L'arc Namek, c'est vraiment littéralement pour mon plus grand plaisir. On se retrouve avec Gohan et Kukulin. Voilà, la capsule corp, la fameuse. Vegeta contre Zarbon.
Ouais, donc ils passent vraiment. Là, ils font un petit résumé sur les combats. Ricom. C'est vraiment le gros musclé débile, Ricom. Hop! Oh non! Oh non! Oh non! C'est vrai. どうやら実力でリクームを倒したと勘違いしてやがるようだぜ。俺たちは天下の義乳特戦隊だぞ。 行くぞ! Allez. Alors là, attends, je vais pas être le tout seul contre les deux. Ah non. 教えてやるぜ. 義乳特戦隊を舐めるとこういうことに. Allez, toi, prends-toi ça dans la gueule. Ça, je sais pas faire. Ça c'est pas normal hein. Ah ça c'est le vrai Genki ça. Ça c'est le vrai Genki Dama. Oh là là, incroyable. Mais les animations quand ils se reçoivent les coups, t'as l'impression que c'est du réel. Genre c'est incroyable. Ok, j'ai réussi. Je sais pas comment mais j'ai réussi. Allez, attaque lui sa mère. Bam. Pff. Incroyable. Tu vas te prendre un petit Genki Dama des familles. Oh là 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 là, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Ah, il se le prend pareil, hein. Kamehameha Kaioken. BAM! C'est trop facile en fait. C'est trop facile. Je les ai laminés en 2-2. Incroyable. En fait, par contre, il y a un truc qui est bien, c'est que t'as vraiment l'impression en fait tu... T'arrives, toi, à apprendre des techniques à ton personnage, en fait. Je sais pas trop comment dire. Au fur et à mesure de l'histoire, les techniques et tout, bah, comme l'animé, ça change. T'arrives à faire des nouveaux trucs et tout. Et là, t'as vraiment ce ressenti-là. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vraiment ce ressenti-là. Naruhodo, Aitsuka. 戦闘力は約5000。そうなんですよ。たったの5000で。あいつはおそらく瞬間的に戦闘力を大幅に上げたに違いない。俺の見立てで。6万?やつはサイヤ人なんですよ。アリエンことではない。我々と同じく突然変異で生まれた超天才戦士なんだ。こいつは。 On te connaît bien, Ginyu, on te connaît bien. On sait très bien ce que tu nous réserves. Voilà. Arrête de raconter ta vie, viens, on se bastonne, frérot. Alors, lui, je pense que ça va être plus compliqué par contre.
je charge un peu parce que... Ok, je les prends un petit peu quand même. Allez, vas-y, puissance, puissance, puissance. Je vais pas l'avoir. Je suis trop con de le faire alors qu'il est en train de bouger. Après, la boule est tellement grosse que peut-être que ça va... Ça va peut-être l'atteindre. Ok, il l'a pas eu. Là, il se le prend. Après, je vais lui faire un petit enchaînement Kaioken pour lui faire du bien. Boum! Ah, mais il avait que ça dans le ventre! Mais, ah, ok, non, pas du tout. Si? Ah non? Ta force est pour moi encore rien, je crois que je vais m'en parler. Ok. Par contre, on est sous l'eau, les gars. Ah non, ça, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage qu'il coupe le combat comme ça, quoi. Il coupe le combat pour me faire des vieux clichés, non? Ouais, mais ils auraient pu faire ça autrement, là, c'est trop coupé. C'est trop coupé, là. Dommage. Ouais, on savait très bien ce qu'il voulait faire. Voilà. Kakaroto. J'attends, emporte son ascension. En fait, c'est vraiment en contradiction avec ce qu'ils ont fait dans les combats. Là, si tu perds de la fluidité, t'as l'impression que tout va vite et d'un coup, c'est lent, mais lent. C'est vraiment, vraiment dommage. に頼むなんて、よっぽど悔い。おめえのことはデッキリだったけど、サイヤ人の誇りは持っていた。ほら、地球育ちのサイヤ人だ。おめえたちに殺されたサイヤ人のためにも。くだらないことを。貴様ら、この場から離れるんだ。ご飯、早くしろ。 Bah, ils te mettent dans le truc sans même que t'aies le temps de faire quoi que ce soit, c'est... Ouais.
Je peux même pas lui faire une attaque. Je peux même pas faire lui l'enchaînement de Kaioken. What? Attends, mais j'ai pas fait le Genki-Dama là? Je l'avais pas le Genki? What the fuck? Mais attends, mais c'est même pas moi qui l'ai eu le Genki-Dama, je l'avais pas! Oh, c'est tellement moche que ça coupe comme ça, waouh! T'as l'impression que tu t'es en train de faire un combat d'entraînement et voilà, tu l'as niqué, donc c'est fini. Ouah, c'est dommage, hein. Parce que là, on est en 2024, autant sur les jeux PS2, vas-y, tu pouvais comprendre et tout. Tu faisais même pas attention à ça, d'ailleurs. Mais là, ouah, c'est dur, hein. Ouah, c'est dur à avaler, hein. Après, c'est clair que tu l'achètes pas pour ça, mais ouah, quand même, quoi. Il est tellement beau, Freezer, c'est un truc de ouf. フリーザだ。ピッコロさん。ピッ。貴様らを許すと思うか。一匹残らず生かしては解散ぞ。一匹残らず。クリリン。やぶら。フリーザ。 お次はガキの方かな。許さんぞ。よくばよく。これを釣りでさっさと地球受け入れ。あ、俺の理性がちょっとでも残ってるうちに。 Et le pire, c'est quand ils ont voulu faire des animations, le peu qu'ils font là, c'est pixel, c'est pixelisé, quoi. Kiga fukure agatte jujitsu shite iku.
ついに 100% パワーってやつのお出ましか。な、何をしておるんだ悟空、聞こえるか。今だ、今。確かに、こんなチャンスは二度とないかもしれん。なんだと悟空、お前自分が何を言ってるのか分かっておるのか。クリーンの仇を討つんだ。あいつは二度死んだ。クリリンはいいやつだった。 85% フリーザー、貴様がフルパワーになるのを待っているのは最高の貴様を叩きのめしていいからだ。貴様だって自分のフルパワーを試してみたくなったんだろう。Oh là là, il est tellement dard, Freezer, c'est un truc de ouf. Tu veux un combat, Freezer? Tu vas en avoir un. Ah, eh. What?Bah attends, mais qui s'est pris quoi là en fait? Je te défonce. Tu le prendras le coup de pied dans la gueule que tu le veuilles ou non, mon pote. Je te l'ai dit, tu vas le prendre le coup de pied dans la gueule. Ah!
Oh, parfait. Et bah, je trouve que c'était le plus beau combat que j'ai fait sur le jeu pour le moment. Parce que j'ai compris en fait comment passer. Comment se téléporter en fait, j'ai compris. Hier, j'avais pas compris, du coup, c'était brouillon, ça donnait pas des trucs hyper beaux. Mais là, avec le décor, le freezer full power et tout, c'était incroyable. Après, les images elles sont belles en soi, mais bon. Abuse quoi. Même juste ça serait. Je comprends pas trop le. Je comprends pas trop le truc en fait. Ok. Et donc là, du coup, on est arrivé au chapitre 3, l'arc cyborg. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avec Dragon Ball Sparking Zero. On aura fait quand même deux arcs là aujourd'hui en très peu de temps. Et voilà, je le mettrai sur YouTube pour aller avec la suite d'hier, hein, tout simplement. Et on fera ça à chaque partie de DB. Voilà.